Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve donc à peu près tous les dimanches matin pour vous parler de mes tricots, leur avancée. Vous pouvez me suivre également sous le pseudo Laudemoiselle, donc sur Instagram et sur Ravelry également. Je vous mets en dessous, dans la barre de description, tous les liens vers mes fiches projets. Comme ça, vous retrouvez vraiment le patron, la laine, utiliser le coloris, les aiguilles, la taille. Enfin bref, un peu toutes les informations si importantes au niveau des tricots que je réalise. Je suis contente de vous retrouver. Une nouvelle semaine qui commence. Alors pour moi, ça va être un peu plus simple. Mes garçons sont partis chez leur papa. Et je vais notamment pouvoir vous parler librement chaussettes. Puisque j'ai tricoté des chaussettes pour moi, je vais vous en reparler après, mais c'est vrai que j'ai pas pu vous dire, donc j'ai dans l'idée de faire une boîte à bas, comme nos chers amis canadiens, canadiennes disent, donc une boîte de chaussettes surprise pour mes garçons au début de l'hiver, début décembre, je pensais leur offrir pour leur Saint-Nicolas. Je trouvais ça rigolo de leur mettre des chaussettes dans leurs chaussettes de Noël qui découvre à chaque fois à la Saint-Nicolas, bref. Et donc j'avais fait déjà 3 paires pour mon aîné, parce que j'étais partie du principe qu'Axel grandirait moins maintenant que mon deuxième Noah. Donc je suis partie sur une pointure 47-48 pour mon plus grand. Et j'ai fait ces 3 paires. 2 paires de chaussettes avec une tige haute et une paire de sockets dans l'idée de me dire au moins j'ai pas la tige à faire, ça ira plus vite. J'ai fait ces 3 paires, je les ai mises de côté, il était au courant de rien, je les ai tricotées sans qu'il les voie, sans qu'il le sache, jusqu'à il y a à peu près 2 semaines. Alors il faut savoir que moi les garçons portent leurs chaussettes tricotées même là en plein mois de juillet. Ils les portent en fait, ils les portent pas pour sortir, ils les portent à la maison comme chaussons. Et donc en fait même maintenant ils les portent au soir, il faut qu'ils se sont douchés, ils vont mettre leurs chaussettes tricotées. Et j'ai même surpris Noah dormir des nuits complètes avec ses chaussettes. Enfin bref, mais j'ai eu Axel qui m'a réclamé des sockets. Il m'a dit il y a 2 semaines, mais maman, est-ce que tu pourrais pas me tricoter des sockets? Parce que c'est ce qu'il adore porter en ce moment. Dans la journée, il va porter des sockets du commerce. Ça fait bien depuis le mois d'avril qu'il nous a ressorti ses sockets. La moitié de l'année, il est en sockets et l'autre moitié de l'année, il est en chaussettes longues. Et il me dit, mais en fait, tu pourrais pas me tricoter des sockets? Et là, je me suis dit, j'en ai une, 2 paires de sockets prêtes pour lui, tout de suite, maintenant. Alors j'ai pas résisté et je lui ai offert sa paire. Il ne sait pas du tout qu'il y a 2 autres paires de tricotés. Je lui ai dit, écoute, j'avais prévu ça. Je lui ai dit, hein, je les avais tricotées dans l'idée de les offrir un petit peu après, pour plutôt le début de l'automne, je lui ai dit. Mais si t'en veux tout de suite, écoute, prends-les. Donc elles lui vont super bien. Ce sont les Socket Rocket de You Need to Learn. Ça tient super bien sa cheville. Même lui a été surpris. Il m'a dit, c'est super bien, maman, ça tient bien. Il passe bien son pied, mais ça glisse pas. Elles sont vraiment nickel, à la bonne taille. Et il les porte. Et début décembre, il aura ses 2 autres paires longues, qu'il n'a pas encore vues, qu'il ne se doute pas, je pense. Et donc il les aura début décembre. J'en ai profité de ce moment-là pour dire à Noah, donc mon deuxième, et toi, des sockets, ça te plairait? Et là, la réaction était, ah non, moi, je veux pas de ça. Hein. Mais j'aurais dû m'en douter, puisqu'il ne porte, lui, à l'inverse de son frère, jamais de sockets, même pas celle du commerce, même pas là en plein été. Il est avec des chaussettes longues et des baskets hautes. Donc, non, il porte pas de sockets. Alors, en décembre, il aura que 2 paires, comme son frère. Il aura pas les sockets. Ça me fera une paire en moins à tricoter. Voilà. Et comme là ils sont partis, je pense que je vais peut-être voir pour faire commencer une paire à Noah là tout de suite. Ça me paraît peut-être bien. Ou j'attends un peu. Je suis un peu dans le doute en fait. Je me dis, parce que Noah il grandit beaucoup ces derniers temps. Je me dis, je me demande si je vais attendre, si j'attends un petit peu ou si je les fais tout de suite. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est à moi de me décider. Parce que je pourrais peut-être attendre encore 1 ou 2 mois, mais ça voudrait dire qu'après j'ai vraiment les 2 paires à faire dans la filée. Et puis c'est pas des petites pointures, hein, Noah, on va partir je pense bien sur un 45 de chaussettes. Donc non, je vais commencer tout de suite je pense, pour être sûre. Pour avoir le temps, on peut pas mettre la pression. Mais il faut que je réfléchisse aux laines, parce que j'avais prévu un écheveau qui finalement, je vais vous en reparler, il a été absorbé dans un autre projet. Donc je sais pas quelle laine utiliser pour ses chaussettes. Il y a une paire qu'il aura de color palette sock comme son grand frère, et ça je sais,
J'ai un coloris, il faut que je trouve les deux qui vont aller avec, mais j'ai pas encore bien réfléchi non plus. Et sa deuxième paire, j'ai pas du tout les chevaux principaux, je sais pas, faut que je réfléchisse. Enfin voilà, ça c'était le point chaussettes que je peux vous faire, que je peux parler à voix haute, parce que les garçons ils sont pas là, je peux enfin vous en parler. Je l'avais partagé sur Instagram, parce que comme ils me suivent pas du tout sur Instagram, il n'y a pas de souci. Mais à la maison, bah, ils m'entendent soit filmer, ou parfois ils m'entendent au montage, donc je pouvais vraiment pas, c'était trop risqué. Sinon, donc je vous retrouve en ce début de semaine, et on va continuer dans les chaussettes. Puisque j'ai avancé sur ma chaussette homard, enfin crabe plutôt, sur ma chaussette crabe durant le week-end. Hop, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai fini ma petite chaussette crabe. Et regardez-moi ça, il y a même des yeux. Donc je vous avais quitté, je sais plus, j'étais dans le talon. Ouais, bref, j'ai fait tout mon talon, j'ai fait mes diminutions de gousset, j'ai tricoté toute ma pointe, mon pied et ma pointe, et voilà, j'ai fait ma deuxième chaussette. Et voici donc la première avec les homards que je suis venue refaire les yeux. Alors les yeux, donc j'ai eu un peu d'hésitation parce que donc Lysandre, dans son patron, dit de faire du duplicate stitch, donc ça veut. C'est à nous par contre d'aller rechercher un. Si vous avez jamais fait, je crois qu'il n'y a pas de lien dans le patron pour vous renvoyer un tuto. C'est à vous d'aller chercher directement sur YouTube. Et en fait, je ne savais pas s'il fallait que je coupe le fil, je prenne un petit morceau de fil pour faire un homard et puis un autre bout de fil, ainsi de suite, ou si j'ai un fil que je laissais courir entre les homards. Et finalement, bah, j'ai opté pour je coupe à chaque fois. Alors sur celui-là, ouais, j'ai laissé des grands bouts de fil. Bon, c'est pas grave. Je vais tout recouper après. Mais bon, hop, je vous montre. Vous voyez, j'ai fait les yeux d'un homard et je suis venue nouer parce que je savais pas s'il fallait que je les rentre. Je crois que j'ai jamais fait. Est-ce que j'ai déjà fait un duplicate stitch? Si, je l'ai fait, mais j'avais fait vraiment une très grande zone. C'était pour faire des renards qui ressemblaient même pas à des renards. Mais j'avais fait des grandes zones. Ah oui, j'avais fait des pattes. C'était les pattes derrière. C'était une grande zone. C'était pas pareil là. C'est juste pour deux petits points à chaque fois. Bon bah finalement j'ai pris un petit bout de fil, je l'ai noué et une fois que je vais avoir lavé, je vais tout couper à ras. Mais j'ai pas fait suivre entre les homards parce que bah j'avais peur de, je sais pas, que ça se coince dans mes orteils quand je glisse ma chaussette, que ça tire un peu trop. Donc j'ai opté pour ce moyen-là. Voilà. J'avoue, je savais pas trop comment m'y prendre. Bon. Ah, vous voyez, alors celui-là, je l'ai coupé à ras directement. Et les autres, je me suis dit, bah non, je vais peut-être attendre quand même de les laver pour être sûr que. Pour être sûr. Enfin, voilà, j'ai donc terminé ma paire de chaussettes homard et crabe. J'aime bien l'idée, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé ce coloris Calypso de La Faibaleo. Vraiment très très beau. Je vous ai mis toutes les quantités utilisées sur ma fiche Ravelry. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Franchement, bon, c'était simple à tricoter. C'est pas. C'est un jacquard. Je pense que le plus simple, c'était, je vous l'avais dit, hein, la cabane de plage, puis les crabes et enfin les homards. Mais après, voilà, c'est vraiment une chaussette simple et très jolie, très agréable à tricoter. Donc mes chaussettes sont terminées, elles ont besoin d'être lavées, mises à sécher. Et c'est pour ça qu'il faut que je me posais la question de commencer une nouvelle paire de chaussettes. Et éventuellement celle à Noah si j'arrive à me décider sur les laines aujourd'hui, tant qu'à faire. Pas trop traîner parce que voilà, 2 semaines ça va passer vite. Donc ça ce sont mes chaussettes. Ensuite, au niveau de mes encours, que je vous montre un petit peu. Alors cette semaine je vais vous parler du gilet givre de Même les anges tricotent. Ce très joli gilet que je teste pour elle, un patron qui sortira au mois d'août. Voilà ce que ça donne, mine de rien il prend forme. J'ai quand même tout ça sous les emmanchures. C'est pas rien, je suis contente. Hop. Voilà ce que j'ai sous les emmanchures. Alors depuis que je vous l'ai montré la semaine dernière, j'ai tricoté tout ça. Ça va plus vite une fois qu'on a quand même passé les raglans. Mon petit marqueur Apollonie, l'encolie. Voilà, ouais, j'ai tricoté quand même tout ça. Bah, il n'y a plus les manches, tout ça, donc ça fait quand même moins de mailles. Ça se tricote bien. Je suis toujours le diagramme pour ma dentelle parce que je veux être sûre de ne pas faire de bêtises. Je préfère être, voilà, être prudente.
Mais ça se tricote vraiment bien. C'est pas une dentelle. Alors c'est une dentelle qui peut paraître compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des nobs, des torsades, un petit peu de dentelle, mais la bordure elle est vraiment très. C'est que voilà, et voyez, il y a que ça en maille. C'est répétitif, hein. C'est pas un motif sur énormément de. Vous voyez, un motif, c'est hop, c'est à peu près ça. Donc ça, voilà, c'est 16 rangs, je crois, de mémoire. Donc après, c'est quand même toujours les mêmes 16 rangs, donc ça serait. Voilà, ça se retient bien, ça se fait bien, et c'est vraiment très joli. Je tricote dans les laines d'une louve dans les bois. Quand je l'ai repris, parce que je ne l'avais pas tricoté, je sais plus, je pendant à peu près. Ce week-end, en fait, j'ai dû le tricoter un peu vendredi et dimanche soir, sur le week-end de 3 jours. Donc, vous voyez, il y a eu une longue pause entre les deux où je ne l'avais pas tricoté. Et quand je l'ai repris, mais elle est d'une douceur cette laine. C'est sa base Yak 120. Donc, c'est Mérinos, Yak et Soie. C'est vraiment d'une douceur, c'est très agréable. Donc voilà, mon gilet gif qui doit continuer. Alors j'ai pas d'objectif, je me dis pas je vais finir le corps cette semaine. Je termine pas cette semaine, c'est pas grave. Ce sera terminé la semaine prochaine. Et le deuxième en cours sur lequel je tricote en ce moment, c'est le châle Chèche en bois de You Need to Learn, Noémie Gély. Hop là. Qui m'apprend forme tout doucement. Commence à avoir un petit peu de longueur, c'est bien, c'est chouette. J'en étais là, j'ai réussi à faire tout ça. Mais il avance bien, je suis contente. Donc les rangs de côté jersey deviennent de plus en plus longs. C'est pas prise de tête. Franchement, celui-là, il est simple à tricoter, il est très chouette. Je n'ai pas pesé mon écheveau depuis un moment. Je ne sais pas du tout ce qui me reste à tricoter, si j'ai atteint la moitié ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, bah ça se poursuit. Hein. Alors c'est toujours la même chose, ça peut paraître répétitif, mais comme je l'entrecoupe d'autres choses. Ça va, quoique là j'ai que 2 en cours, faut que je relance un peu, faut que je relance les chaussettes pour m'alterner un petit peu tout ça. Voilà. Alors je sais plus, je crois que je vous l'ai mis dans les quelques images de début. J'ai reçu une commande de chez Bulbe Bizarre, Pauline, parce que bah, je vous l'avais dit, hein, j'avais craqué sur ses coloris Pokémon, les 3 starters Pokémon, Bulbe Bizarre, Salamèche et Carapuce. Nous, les garçons, sont des fans de Pokémon, Axel depuis qu'il a 6 ans, donc ça fait. Ah, même avant ses 6 ans. Un peu avant ses 6 mois, vers ses 5-6 ans, donc ça fait à peu près 10 ans qu'on vit dans le monde Pokémon, et qui collectionne les cartes, qui fait tous les jeux vidéo, qui lit tous les mangas, qui a des figurines, il a des vêtements Pokémon. Oui. Et donc, en famille, on joue à Pokémon Go, donc nous, Pokémon. On est. Voilà, je suis assez bien calée niveau Pokémon et tout. Bon, pas autant que mes garçons, hein, pas du tout, mais j'ai un bon niveau, quoi. Je me défends. Je me défends quand même pas mal. Enfin bref, donc quand il y avait eu des coloris Pokémon, je me suis dit, oh, je craque, je peux pas faire sans. Alors, c'était pas des coloris mystères, elle les avait montrés avant sur Instagram, on les voyait au moment de la précommande. Elle avait fait, on prenait sur des écheveaux pleins, ou soit on prenait des mini, versions mini avec un contrastant pour faire des chaussettes. Il y avait un kit de mini et il y avait des kits à chaussettes et il y avait des écheveaux à l'unité. Et moi j'ai opté pour les écheveaux à l'unité sur la base Lurex. Les paillettes. Regardez-moi ces paillettes de folie. J'adore. Franchement, la base Lurex, j'ai l'impression que c'est vraiment la base sur laquelle le brillant ressort super bien. Et donc voilà les 3 coloris. Alors forcément, c'est. Alors, si le orange, c'est complètement mes couleurs. Vert et bleu, ça l'est moins. Mais j'avoue que, bah, de toute façon, je savais à quoi m'attendre. Hein. Carapuce et Bulbizarre. Voilà, c'est le Salamèche, Pokémon Feu. Bulbizarre, Pokémon Plante. Carapuce, Pokémon Eau. Enfin bref, j'avais pas de surprise, je savais bien. Et voilà donc ce que ça donne. Alors le orange, il est magnifique, il a plein de nuances. Très joli. Alors lui, il a rien de. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Je l'admire. En plus, je le trouve. Il est bobiné gros. Je le trouve vachement gros. Est-ce que j'en ai un autre pour vous montrer? Si je vous montre par exemple, vous voyez, regardez, c'est marrant. Ça, c'est un écheveau de Tricoty, je vous l'avais montré la semaine dernière. Et je trouve que là, ça fait beaucoup plus gros qu'à côté. Moi, je sais pas, remettre en écheveau, c'est terrible. Donc voilà, Salamèche, je ne sais pas trop ce que je veux en faire pour l'instant. Je l'admire, je l'admire. Par contre, les deux autres ont déjà pas trouvé un projet. Donc là, on a Carapuce qui a des jolies nuances de bleu. Il y a un peu de vert dedans. Il me semble avoir vu un peu des touches là, indigo, violet.
Non, c'est vraiment super beau. Et le vert, il est tout en nuances aussi. On a du vert vraiment très clair, très clair, et avec des zones vraiment bien foncées là. Vraiment toutes les nuances de un peu de vert qui tire vers le jaune là. Beaucoup de nuances. Et donc ces deux-là, quand bah, je les ai reçus, vu que j'avais encore tout, j'ai un panier là-bas où je mets tout plein d'échoux. Les derniers que j'ai reçus, eh ben je me suis dit que j'avais un super combo. Alors comme je les ai bouchés, je vais avoir du mal. Non bref, regardez. Là, je tiens quelque chose au niveau des couleurs. Comment je vais vous montrer ça? Alors, si je mets lui là, après c'était celui-là, je crois. J'oublie. Non, celui-là, celui-là. Hop, voilà. Si je les mets tous ensemble, je trouve qu'on a un très joli dégradé. Donc là, on a le sorbetto de. Non, c'est le cristal orchide. Donc de bulbe bizarre. Là, on a le street art que j'ai reçu la semaine dernière de Tricot et Stitch. Je trouve que ça va bien. Là, donc, on a Carapuce. Ici, c'est la voie de l'eau. En fait, j'avais acheté un kit de trois échevaux de chez Pauline. Donc, cristal, orchide, la voie de l'eau. Et sorbetto qui est ici. Et je trouve que, vous voyez, si je mets, hop, la voie de l'eau, il a quand même des nuances vertes. Donc ça, je trouve que ça permet de bien passer la carapuce pour finir ici avec sorbetto. Et là, on a donc, c'est pas facile. Et donc là, je trouve que j'ai un très joli dégradé de couleurs qui irait très bien dans un châle. Et j'ai trouvé le modèle What the Fade de André Amaury qui se compose de 6 échevaux. En fait, à la base, j'en avais mis 5. Je crois que je m'étais arrêtée à ça comme ça, un truc du genre. Et quand je suis tombée sur le What the Fade, il y avait 6 échevaux. Je me suis dit, bah celui-là, il passera très très bien avec. Oui, parce que, attendez. Ah! J'en ai perdu en route. Vous voyez ces deux-là. Hop! La voie de l'eau, il y a quand même pas mal de nuances vertes dedans. Donc je pense que. Ça irait pas mal. Puis hop là. Donc, j'en ai perdu la moitié à terre, c'est pas grave. Le What the Fade donc d'André Amaury, j'ai trouvé que ça irait très très bien avec. Et donc, je pensais faire un châle. Au début, j'avais une idée de châle avec mon premier kit de trois échevaux de bulbes bizarres. Mais finalement, là, je trouve que tout passait super bien ensemble. Après, c'est quand même. Ah, j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, elles sont super belles. C'est super bien travaillé. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mes couleurs. Ça va pas être quelque chose d'évident à porter. Et donc, plutôt que d'avoir deux châles de couleurs pas évidentes à porter pour moi par rapport à ma garde-robe, là, je vais en avoir un très grand qui va me servir de limite couverture pour la maison. Ça va être parfait. Quand j'ai froid ou autre, parce que même là en plein été, moi j'arrive à avoir froid. Parce que chez nous, franchement, il fait pas chaud du tout. Non, il fait froid, franchement, il fait froid. Ce week-end, j'ai ressorti un plaid parce que j'avais froid. Et ben au moins, j'en aurai là un grand. Je trouve que ça va être bien. Donc voilà. Donc je me suis retenue de ne pas me ruer dessus ce week-end parce que j'ai tout installé là. Je pose des choses dessus pour ne pas le. Pour garder mon fade en place, bon là je viens de l'exploser à terre mais c'est pas grave. Je mettais des choses dessus pour que le chat il aille pas dessus, qu'il m'attaque pas la laine. Mais je m'étais dit que je voulais quand même vous montrer les nouvelles réceptions en écheveau parce que je les trouve vraiment gros. Regardez là, on voit bien là qu'il paraît gros en lurex par rapport. Là c'est la extra fine. Alors oui, il y aura des parties de châle avec des paillettes, d'autres sans paillettes, mais oh, moi ça me dérange pas trop. Donc voilà, ça serait. Je sais pas quand est-ce qu'il va commencer, bientôt je pense, mais j'aime beaucoup l'idée et à la maison tout le monde a validé cette idée-là. Et je vous disais en fait en termes de chaussettes, je pensais utiliser cet écheveau-là pour faire l'une des paires de chaussettes à Noah parce qu'il aime le vert en ce moment. Je me suis dit que celui-là il irait très bien, mais en fait il va très bien dans mon fade, donc je vais me le garder. Et puis voilà. Celui-là aussi, je vous avais dit, je sais ce que je veux en faire, mais je vous le disais pas parce que je voulais pas le dire à l'oreille pour pas qu'il l'entende. Je pensais aussi faire ses chaussettes dans celui-là. En fait, j'ai hésité entre les deux. Mon chéri préférait celui-là. Moi, j'adore celui-là, il est super beau. Mais en fait, il va passer dans mon châle. Voilà, donc en fait, les deux écheveaux qui étaient potentiellement pour des chaussettes pour Noah, eh ben, il n'y a plus. Il n'y aura pas. Donc, c'est pas grave, je trouverai autre chose, c'est pas un souci.
Donc voilà, cette semaine, on va surtout suivre le gilet et le châle, certainement un début de chaussettes et peut-être un début de un caston, un début de nouveau projet d'ici la fin du vlog. On verra bien. Aujourd'hui, je porte un tricot, je porte mon top Tamias, donc c'est l'un des derniers modèles que j'ai terminé, donc un modèle de Folie Ordinaire. Alors moi j'ai déjà porté ce que je l'ai porté le week-end dernier, je l'aime beaucoup, je suis vraiment bien dedans. C'est vrai que je ne vous l'avais pas encore remontré porté, et voilà donc ce que ça donne. C'est un débardeur qui se tricote du haut vers le bas avec ce dessin de chevron. Sur tout le corps, j'aime beaucoup, très joli. J'ai fait un dos droit. Et j'ai fait le devant, normalement, comme une encolure en V devant, mais on peut faire une encolure en V dans le dos aussi. Mais voilà, je voulais bien différencier le haut, le devant du derrière. Et voilà, je le porte, que j'ai tricoté donc dans le fil Norma de Langyarn. Alors, il n'a pas bougé au lavage, je le trouve pas, il s'est pas détendu ou quoi que ce soit. Mais j'aurais pu faire une taille inférieure. Ça aurait été possible. Mais bon, j'avais vraiment pas du tout le bon échantillon, donc je savais pas trop sur quoi partir. J'hésitais entre deux tailles, j'avais pris la plus petite des deux tailles sur les conseils de Lucie. Mais au final, j'aurais pu encore faire une taille inférieure. Mais voilà, ça m'empêchera pas du tout de le porter, je suis contente, je suis bien dedans. Oui, je suis vraiment contente du résultat. Donc voilà pour ce que je portais. Vous avez pu voir avant, je suis allée un peu farfouiller dans mon petit sac à mini pour trouver des mini pour aller avec un reste de laine pour les chaussettes à noix. Donc je vais d'abord faire sa color palette sock en premier parce que j'ai les laines pour le faire, donc je vais commencer par ça. Je partais sur cette base là, c'est le coloris Navet si je me trompe pas de Arco Erisian. C'était le dernier coloris de son club Ghibli l'an dernier, j'avais adoré cette couleur. Donc j'ai choisi ça et j'ai farfouillé. Alors j'avais ce gris et je trouve qu'il s'accorde bien avec. C'est de la bien aimée sock que j'ai utilisé pour mon châle, le dernier MKL de Twist and Turn de Steven West. Donc j'ai ça, donc, et voilà. Et la troisième couleur qui ira avec, c'est ce mini là que j'ai pas encore bobiné. Qui tire dans les violets, je trouve ça rend vraiment bien. Et là, il s'agit d'un mini de chez Laine de Mout. C'était dans un kit, un bouquet de mini, si je me trompe pas, qu'elle avait fait spécialement pour le Ch'ti Bazar créatif. J'aimais beaucoup cette couleur. Je trouve que voilà, les trois ensemble iront très très bien. Et donc, je vais refaire les couleurs palette sock pour Noah cette fois-ci. Je vous remonte celle à Axel. La voici. Et donc, je vais faire le même principe. Donc je vais faire une couleur là, donc soit le gris ou soit le violet. Là c'est le coloris Ghibli qui revient une fois sur deux et en fait par contre les autres se reviennent toutes les quatre rayures. Donc je vais faire de la même façon. Et c'est pareil, là je vais faire du blanc à ce niveau là. Alors avec ça j'avais fait quatre rangs de jersey endroit pour entre chaque grosse rayure de couleur. Puisque dans le patron normalement ce sont des côtes 1-1. Semi-torse à ce niveau-ci, mais moi j'ai pas voulu faire de tous des côtes partout, j'ai juste fait ça. Je pense qu'à Noah je vais pas faire deux côtes, mais par contre je ferai que deux rangs pour qu'elles soient un peu plus courtes et pour que ça passe, parce que là j'étais bon au niveau de la longueur. J'ai un peu plus de longueur j'ai fait autant de rangs. Alors parce qu'au niveau du pied, alors c'est un patron gratuit et au final il n'y a qu'une seule taille unique et dans le patron il nous préconise de faire voilà 4 grosses rayures à partir du talon et on fait une pointe en forme d'étoile il me semble. Et donc là ce que j'ai fait par contre c'est que j'ai donc fait que du jersey au lieu des côtes semi-torse et j'ai trouvé que déjà ça rallongeait un petit peu le pied et j'ai fait une pointe classique pour qu'elle soit assez longue pour être sûre qu'il ait assez de longueur au niveau du pied. Et je sais plus si je les ai fait essayer à mon homme ou pas pour voir si la longueur ça allait.
En tout cas, en mesurant avec ma règle, ça passait bien. Donc, Noah, faut que j'ai en fait le même principe, il faut que j'ai quand même mes quatre rayures là, mais je vais faire les rayures de blanc. Je vais faire deux rangs de moins pour gagner un petit peu en taille, et peut-être que je ferai le talon du patron pour ne pas avoir trop de centimètres ici. Enfin bref, c'est un peu compliqué, je trouve, ce patron-là à ajuster, parce que là, si je rajoutais une rayure complète, ben, pour garder la logique, ça c'est beaucoup trop grand. Donc voilà. Après là, je pense que je vais, ça sera plus au porté. Vous voyez, c'est assez, c'est élastique. Les chaussettes, ça se détend toujours avec le temps, moi je trouve. Donc au pire, de toute façon, ça va se détendre avec au fil des portées. Mais voilà, c'est vrai que c'est un modèle qu'on a du mal à ajuster. Moi aussi, j'ai quatre rayures, mais j'avais bien fait les côtes semi-torse ici. J'avais fait le talon la pointe du patron pour que ça me convienne bien à mon pied. Voilà, là j'ai fait vraiment une pointe beaucoup plus longue pour correspondre à mon plus grand. Donc voilà, là j'ai plus qu'à faire donc la même chaussette, mais avec ces coloris-là. C'est vraiment quelque chose de très différent. Et au niveau du blanc, j'utilise toujours la même chose. Alors j'en avais deux pelotes offertes par une abonnée. Donc c'est la Lana Grossa Merino Extra Fine. Et j'ai déjà commencé donc mes côtes. Je vais recommencer tout de suite ma chaussette. Voilà, j'ai commencé les côtes. Donc là, je suis encore dans les côtes. Il faut faire 15 rangs de côtes. Donc vous voyez, un semi-torse. J'ai fait un montage tubulaire pour avoir pas mal d'élasticité, pour être sûr qu'il passe bien son pied, tout ça. Je le tricote en 2,5. Et puis voilà. Rien de plus. Les 1, c'est l'accès, je les ai cotés en 3,25. Et je les tricote en 2,5. Voilà. Autant pour Axel, j'avais adapté en faisant 72 mailles. Autant là, je vais suivre le patron. C'est sur 64 mailles. Et ça lui ira bien pour son pied, mon deuxième loulou. Voilà. Ça, c'était pour les chaussettes. Donc, ça y est, c'est parti. Bah, l'objectif, ça serait de faire la paire, une chaussette cette semaine, une chaussette l'autre semaine. Et comme ça, au moins, j'aurai déjà fait une paire. Il m'en restera plus qu'à une à faire. Pourquoi pas fin août, quand ils repartent aussi, 2 semaines chez leur papa. J'aurai le temps peut-être de faire la deuxième. On verra bien à ce moment-là. Et sinon, hop, je vais vous montrer un peu mon avancée sur mon chèche en bois, puisque j'ai dépassé la moitié de mon écheveau. Ça y est, je suis à peu près. Il me reste 43 grammes de fil. Quand je suis venue hier, j'avais un peu plus de 50 grammes. J'ai à peu près tricoté 10 grammes, j'ai l'impression. Et voilà donc ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu de la laine. Hop! Donc vous voyez là par contre en 10 grammes bah, j'ai tricoté ça et plus je vais tricoter, moins je vais faire de rangs, puisque plus ils sont longs, plus on consomme de laine. Hein. Doucement mais sûrement il approche de la fin. Bon, ça serait quand même bien de le finir cette semaine, ça. Ça serait chouette de se dire allez. Bah, si je tricotais ma foi 10 grammes de fil par jour, dans quel jour il est fini? Ça pourrait être une idée. Ah ouais, ça pourrait être un petit challenge à se faire. Tricoter 10 grammes par jour. Et comme ça, j'arrive à la fin dans 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi. Ah oui, pour la fin du vlog. Bah, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de me tenir à ça. Voilà. Donc, bon, bah, c'est toujours la même chose, mais ça me convient bien. C'est simple à tricoter. C'est très joli. Les rangs commencent à être un petit peu longs, mais pas non plus extrêmement longs. C'est surtout les rangs en vert qui paraissent un peu longs. Oui, là j'en suis qu'à 217 mailles au total. Ou à la fin de la répétition. Bon, bref, à peu près, j'en suis à peu près à 215 mailles sur mon rang. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas non plus excessif. Hein. Mais je sais pas encore, je vous dirai. Je coche le nombre de répétitions pour vous dire le nombre de répétitions que j'aurais réussi à faire sur le châle une fois avec tout mon écheveau. Je vous avais dit, elle avait fait un tableau avec 50 répétitions au total. Mais clairement, on fait pas les 50. Là, j'en suis à 11 répétitions. Et je suis pas sûre de. Je pense pas en refaire 10 derrière. Je crois pas qu'avec ce qui me reste, je puisse encore faire 10 répétitions peut-être. Ouais, mais non, je pense pas faire doubler et avoir 22. Donc là, j'en suis à 11 répétitions. Je vous dirai combien j'en ai fait. Je pense pas faire plus de. Je pense pas faire plus de 10 répétitions. J'en aurai moins que 10, puisque là, les plus on avance, plus. Plus on utilise de laine, donc bon, je sais pas. On verra bien combien je fais à la fin. Je vous tiendrai au courant.
Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le top Iris. Iris Tank Top de Elong avec Anna. Donc, c'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut. Je vous montre avec ce motif-là de losange. Hop, on commence par le bas et ça fait un léger effet festonné en bas. Et on tricote et on vient faire les deux tous les triangles. Le dos, il est pareil, il est comme le devant. Et puis voilà. Moi, j'avais fait des toutes petites bretelles parce que sinon, il descendait trop bas, il était beaucoup trop plongeant. Au niveau de la taille, ça c'était pas forcément une réussite pour moi. Je sais plus du tout si j'avais le bon échantillon. J'ai tricoté dans du 100% mérino non super wash de chez Les Chevaux Solidaires, le jaune de Gaïa. Ce jaune, je l'adore, il est super beau. Nous, il tient chaud, hein. Mais voilà, franchement, chez nous, il fait pas beau. Ouais, il fait pas beau. J'ai entendu parler d'une canicule avec des chaleurs extrêmes, tout ça, qui touche surtout le sud de la France. Chez nous, croyez-moi, on est loin de l'été, on est loin des canicules. Ce matin, on se croyait à l'automne. Enfin bref, donc je le supporte très très bien. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est une laine qui est quand même assez chaude. C'est un fil qui est chaud, celui-là. C'était pas forcément la meilleure des idées, mais le rendu, il est super beau, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce que je portais. Je vous ai mis avant les petites images où j'ai lavé mes chaussettes. Donc j'ai lavé mes deux paires de chaussettes tricotées là récemment. Alors, mon petit homard et mon petit crabe. Et ça n'a pas déteint. Après, je m'en doutais, hein, j'avais fait en sorte de choisir un fil qui ne déteint pas. J'avais choisi la West Yorkshire Spinners, une laine industrielle, vous voyez, pour éviter que ça ne déteigne. Donc, j'ai pas eu de soucis. Ça rend super bien les petits yeux, c'est vraiment trop mignon. Hein. Il me reste tous les fils à couper pour l'instant. Ah bah, vous voyez, celui-là, il est un petit peu tiré. Je vais, avec une aiguille, je viendrai tirer un peu dessus pour qu'il ressorte un peu, hein, franchement. Mais sinon, non, je suis vraiment contente, c'est très joli. Donc voilà, j'ai lavé mes chaussettes. Hop, et j'en ai profité pour laver cette paire-là, parce que je l'avais toujours pas fait, j'avais pas... Tant que mes garçons, ils étaient pas là. Parce que vous voyez, je les ai mis sur la barrière du feu, même s'il n'y a pas de feu. C'est franchement un super étendoir à chaussettes. Et j'ai tricoté celle pour mon plus... Donc ça, c'était la deuxième paire que j'ai fait pour mon grand. Et là, pareil, les couleurs n'ont pas d'éteint, donc je suis vraiment contente. J'ai eu un peu peur hier, finalement, sur, tu sais, je vous reparlais de la longueur et tout, que c'était pas évident d'adapter, parce que si je rajoutais une rayure, ça faisait beaucoup trop grand. Et d'un coup, j'ai eu peur, je me suis dit, peut-être qu'elles iront pas à mon grand. Alors, j'ai essayé à mon homme, elles lui vont juste bien. Il aurait pas fallu moins, juste bien, donc normalement, ça ira à Axel. Et s'il faut, j'essaierai de les bloquer, de les relaver, de les mettre à sécher sur... en les bloquant, en les étirant un peu pour que ça s'allonge. Mais je sais qu'au fur et à mesure qu'il va les porter, elles vont s'allonger. Mais voilà. Alors elles vont juste bien à mon homme. Si jamais vraiment, de toute façon, Axel nous fait un grand pic de croissance d'ici la fin de l'année, au pire, elles iront pour mon homme. Mais bon, voilà. Je pense que normalement, ça devrait aller. Enfin, elles sont super belles hein, quand même. J'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ça c'était pour les choses. Alors ça, je vais les ranger. Tranquillement, elles sont prêtes, elles vont pouvoir être rangées et puis attendre patiemment en décembre. Et les miennes, elles vont être rangées aussi et puis je les mettrai au début de l'automne. Oh, c'est vraiment très joli ce modèle, j'aime beaucoup. Merci encore à Lysandre pour cette petite merveille, j'aime beaucoup beaucoup.
Puis toutes ces nuances de bleu là, enfin bref, voilà. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à couper les fils et les ranger également. Donc voilà, ça c'était pour ce que je viens de laver. Ensuite, ben, sur mon sèche, bon, je vous le remonte, mais j'ai tenu ma parole. J'ai fait mes 10 grammes hier. Alors avec 10 grammes, j'ai tricoté, hop, tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. J'ai fait 11 rangs. Bah voilà, 11 rangs. Donc là, il me reste 30 grammes à peu près. Donc, alors moins de 30 rangs à faire. Hein, parce que plus vu qu'il s'allonge au fur et à mesure, je ne vais pas pouvoir faire autant de rangs. Et il faut garder un peu de laine pour le rabat. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu s'il y a une quantité à prévoir ou non. Mais voilà, ça... Ça diminue, je vais faire ça aujourd'hui, tricoter les 10 autres grammes avant de poursuivre sur autre chose. Et je vais vous montrer un peu la chaussette à Noah. Donc c'est le même patron que les chaussettes à Axel, mais avec d'autres laines et elles vont avoir un aspect vraiment complètement différent. Je vous avais montré, j'avais commencé les côtes, donc j'ai terminé les côtes. J'ai fait le premier coloris, j'ai choisi le gris de la bien-aimée parce qu'il était déjà bobiné et que je n'ai pas encore bobiné mon mini écheveau. Et hop. Alors contrairement à Axel, vu qu'il y a ce problème de longueur, c'est pas évident à adapter, ici moi j'avais fait 4 rangs de jersey entre chaque rayure, et là j'en ai fait que 3. Donc déjà un rang de moins, donc ça veut dire, oh, ça va me faire gagner 1, 2, 3, et Axel j'avais fait à nouveau 4 rangs avant de commencer les diminutions. Donc ces 4 rangs là aussi je vais les enlever, donc ça me fera quand même 7 rangs en moins, 1, 2. Ouais, donc ça me fait quand même bien un bon centimètre en moins, plus je pense que je verrai peut-être pour faire une pointe peut-être un peu plus petite, ou bon, je verrai, ou de toute façon voilà, ça fera juste un bon centimètre en moins. Ça fait combien? Alors si je regarde sur ma règle, Axel, oui, mais son pied fait 30 cm, donc je pars toujours sur du 46-47. Ah bah sur ma règle, de toute façon, ça passe au 44, ça fait 28 cm. Et Noah, là, il fait 44-45. Donc, il faudrait que je parte sur voilà, un 28-29 cm. Ouais, donc c'est ça. Parce qu'Axel, j'ai toujours tablé sur 30 cm. Je sais qu'on a mesuré son pied il n'y a pas longtemps. Et son pied fait la règle complète. Cette fameuse règle que j'avais achetée chez Lily, comme tout. La règle fait 30 cm, son pied le remplit complètement. Donc j'ai pas fait d'aisance négative, toutes ces chaussettes font 30 cm, comme ça, bah, ce qu'on dit toujours, faut faire un peu d'aisance négative au niveau des chaussettes pour qu'elles tiennent bien au pied. Donc voilà, même s'il grandit un peu, que son pied fait 31-32, ça devrait passer. Et à Noah, donc ouais, je vais partir sur un 28-29 cm de longueur. Donc ouais, voilà, en enlevant les 7 rangs sur le pied, mais en fait on enlèvera 1 cm, et on devrait être pas mal, hein. Donc voilà, là je vais faire que 3 rangs à ce niveau-là. Et la deuxième couleur, c'était le coloris navé de Arco Iris Yarn. Et voilà, ça va très très bien avec mon gris. Donc voilà, ma chaussette, elle a avancé. Voilà, pour aujourd'hui, bah, j'ai pas plus. Alors j'avance toujours sur mon gilet, mais comme bah, c'est toujours la même chose pour l'instant, je veux... Oh bah si je pourrais vous le remontrer aujourd'hui, on est en milieu de semaine. Je peux faire ça. Hop, je vous le montre, je poursuis donc sur le corps, j'ai changé d'écheveau, j'ai enfin fini mon premier écheveau. Je suis passée sur mon deuxième. Et voilà ce que j'ai fait depuis que je vous l'ai montré. J'en étais là, hop, ça avance, hein, ça avance bien. Il avance tranquillement, j'ai dépassé la moitié du corps, mais bon, il y a encore pas mal de centimètres. Je dois avoir encore bien... 12-13 cm à faire avant d'attaquer les côtes en bas. Donc bon, voilà. D'ici ce week-end, la fin du week-end, je pense que j'arriverai aux côtes en bas. Mais pour l'instant, j'en suis toujours à tricoter le corps. Donc avec cette jolie dentelle, hop, en bordure. Et puis tout le reste en jersey. Donc voilà, lui il se tricote tranquillement. Il est tricot-télé compatible puisque là il y a la dentelle que sur la bordure, c'est quelques mailles au début, quelques mailles à la fin du rang. Voilà, les rangs en vert on les retient bien, c'est toujours la même chose, c'est pas compliqué. Donc voilà, après c'est que du jersey en droit, donc c'est vrai que je peux le tricoter le soir quand on regarde un petit peu la télé, c'est pas problématique.
On se retrouve. Aujourd'hui, je porte le Mademoiselle Kate. Alors, c'est la première fois que vous le voyez. Moi, je l'ai déjà porté le week-end dernier. Un jour, j'avais porté le Tamiya. L'autre jour, j'avais porté mon Mademoiselle Kate. Je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. Et là, je pensais que je l'aurais toujours porté dans l'autre sens avec la dentelle devant. Mais finalement, je me rends compte que j'aime bien aussi avoir la dentelle dans le dos. Avec donc cette encolure en V qui est vraiment juste bien, pas trop profonde. Mais pas trop haute, ben vraiment, je suis vraiment contente. Donc le devant, j'ai mis toute la partie en jersey. Et vous voyez, dans le dos, j'ai toute la partie en dentelle. Je trouve que ça rend super bien aussi comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux côtés portés, franchement, je trouve que ça rend très bien dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que je vais m'amuser à alterner un petit peu les deux côtés. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de tricot à vous montrer. Hier, j'ai pas tricoté. C'est pas que j'ai pas tricoté. J'ai tricoté que sur une chose. Je vais vous en parler après. Mais avant, je vais revenir un peu sur ce que vous avez pu voir dans les petites images avant. Je vous en avais déjà parlé. J'ai passé commande chez Marie Elix à nouveau. Regardez-moi ça. C'était super bien emballé là-dedans. J'ai gardé tout bien plié pour l'instant. J'ai ouvert. C'est là. Mais j'ai gardé l'emballage tout beau parce qu'il était vraiment très joli. Et j'ai craqué pour ses nouvelles illustrations qu'elle avait pu sortir. Alors j'ai pris déjà d'une part le marque-page. Parce que j'avais pas de ma... Vous allez rire, mais même mes marque-pages, je fais en fonction des saisons. Parce que j'ai des marque-pages de printemps, d'automne, d'hiver. Mais c'est vrai que d'été, j'en ai pas. Ou... Alors j'ai pris des choses qui font pas l'été, mais j'ai pris, j'avais des licornes par exemple. Donc j'ai pris mes marque-pages licornes. Mais voilà, celui-là, je trouve qu'avec les couleurs et tout, il faisait très été. Vraiment très très beau. Donc voilà, je lui ai pris ça. Je pense que j'ai la même illustration en petit format comme ceci pour aller dans mon porte-vue là-haut. Alors je les mettrai à la fin de l'été, en fait après mes vacances. Parce que pour l'instant, en tant que moi, l'été, c'est vraiment, je suis dans le mood, comme vous pouvez voir là. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir mes cartes à l'heure actuelle. Ce sont des cartes de Les Infusettes Illustrations, Camille, et de Caroline Caro Frangouland. Et c'est vraiment, c'est très coloré, c'est vraiment un univers complètement différent de là de Marie Elix. Et c'est encore dans l'esprit que j'ai moi de l'été, c'est la mer, la plage, les randonnées et tout. Et je trouve que là, Marie Elix, ça sera super bien à mon retour de vacances. Je pourrais commencer à me plonger dans le mood automne avec ces couleurs-là. J'aime beaucoup. Elle a fait une tricoteuse, je pouvais pas ne pas craquer pour la tricoteuse. Trop jolie. Il y avait hop, une serre, j'aime beaucoup. Ah puis c'est sa manière de faire tout ça, c'est j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses couleurs, c'est la manière dont elle fait les illustrations. C'est très différent de ce que je suivais jusqu'à maintenant. Et elle m'a rajouté ces deux-là en plus, qui sont vraiment super belles. J'adore. Donc merci encore à toi Marie-Élix. Et puis alors, elle fait aussi un podcast tricot. Elle m'a complètement infusé. J'adore son Guthrie de Kathleen Hunter. Il est super beau. Je pense que je le ferai cet automne. Je réfléchis aux laines que je pourrais utiliser, mais voilà. J'ai déjà acheté le patron, il est déjà dans ma bibliothèque. Ça va se faire un jour parce que j'aime beaucoup sa version avec les couleurs qu'elle a choisies et tout, j'adore. Et pour ça que j'adore beaucoup, j'ai accroché tout de suite à son univers parce qu'elle est très automne et j'adore, voilà, toutes ces couleurs, les modèles qu'elle choisit, ça me parle beaucoup, donc je peux que vous conseiller d'aller la voir, Marie-Élix. Et la deuxième chose que vous avez vue, c'est que j'ai reçu mon petit, le petit marqueur du mois d'Apollonie puisque je suis ambassadrice et donc je reçois, elle m'envoie tous les mois sa petite fleur. Hop, Apollonie. D'ailleurs, le code promo est toujours d'actualité. Il est prolongé jusqu'au 31 octobre. Donc, vous avez 10% de remise sur sa boutique si vous utilisez le code LOTDEMOISELLE. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, il y a quelques boîtes surprises qui étaient disponibles. Je ne sais pas si ça l'est encore. Et sinon, il y a les abonnements pour les fleurs qui sont... disponible. On ne peut pas acheter les fleurs maintenant qu'elles sont... si vous ne vous étiez pas abonné, vous ne pouvez pas recevoir la fleur. Mais elles seront... Sa boutique réouvrira normalement en septembre. Et quand on passe commande, on reçoit donc dans la petite carte une petite étiquette à coudre sur ses vêtements. Je trouve ça super chouette. Moi, j'aime bien en coudre sur mes vêtements pour pas les... pour bien différencier le dos du devant parce que sinon, je me trompe.
En ce moment, ça arrive souvent. Et je vous montre donc les petites fleurs du mois. Regardez-moi ça, ce sont des glycines. Elles sont super belles. Donc Apollonie crée elle-même le dessin, les fait fabriquer les petits médaillons et ensuite les assemble par elle-même. Oh, et j'adore cette fleur, c'est ce que je lui disais. On a planté une glycine il y a 2 ou 3 ans dans le jardin. Mais en fait, elle est pas bien exposée et elle fleurit pas. Elle grandit très très lentement et elle ne fleurit pas du tout. À mon grand désespoir, j'adore cette fleur. Faudrait qu'on la mette ailleurs, mais c'est pas possible. En fait, j'aurais voulu l'avoir sur le devant de la maison, mais on n'a pas de terre en fait sur le devant de la maison. C'est pas possible de planter quelque chose. Donc je suis triste. Donc j'en ai une qui fait un peu de feuilles et c'est tout. Donc voilà, à défaut, ben, je l'ai en marqueur. Voilà, c'est comme le chèvrefeuille. Je l'ai en bougie, le parfum, à défaut d'aller le sentir parce qu'il est mal situé aussi dans mon jardin. Et ben les glycines, c'est la même chose. J'apprends dans le jardinage, hein. Je suis encore en apprentissage. Et sinon, donc le seul tricot que je viens vous voir, c'est mon chèche en bois de You Need to Learn, mais parce que surtout je l'ai terminé. Voilà, hier j'ai tricoté mes 10 grammes et puis je me suis dit. En fait, j'ai compté, parce qu'aujourd'hui on est quel jour? On est jeudi. Donc en fait, si j'aurais dû tricoter aujourd'hui encore 10 grammes que je vous aurais montré demain. Et en fait, vendredi, je l'aurais terminé, mais j'aurais pas eu le temps de vous mettre dans le vlog. Finalement, je me suis dit, ah bah non, bah, hier soir, je me suis dit, je le termine. Et voilà, c'est chose faite, il est complètement terminé. Vous voyez, j'en étais là quand je vous l'ai montré finalement. Ça, mais avec les 30 derniers grammes, j'ai pas fait non plus énormément de rangs. Puisque ben, comme ils sont de plus en plus longs, on utilise de plus en plus de laine. Alors voilà pour l'instant le rendu. Au niveau de la longueur, voilà ce qu'il donne. Il n'est pas très grand. Après, c'est un châle à un nez chaud. On ne peut pas faire de miracle non plus. Mais je pense que surtout, il va avoir besoin d'un bon blocage pour gagner un peu en longueur, en largeur plutôt. En longueur. Bon, bref, vous avez compris. Voilà, la dentelle, elle va bien s'étendre au lavage et tout. Donc il va vraiment bien falloir le laver et l'étirer au blocage. Pour qu'il puisse prendre toute la taille, pour qu'il puisse s'agrandir au maximum. Alors j'avais été voir, j'ai vu sur Ravelry, beaucoup de personnes ont fait un i-cord à la fin. Moi j'ai fait ce qui était recommandé dans le patron, c'est-à-dire des cordes de 2. Parce que je me suis dit au moins ça roulera pas. Un i-cord, il aurait vraiment fallu bien l'épingler pour qu'il se mette bien à plat et tout. Parce que c'est quand même que du jersey, donc ça va rouler. Et je me suis dit non, je vais faire ce qui est dans le patron. J'ai fait le nombre recommandé de rangs de côtes de 2. Et j'ai rabattu normalement. Et voilà, je pense que ça va offrir assez d'élasticité au châle pour qu'il puisse bien prendre sa forme. Donc voilà, mon chèche est terminé. Je suis contente. La laine, elle est super belle. Je vous l'avais déjà dit, hein, c'est de la Mobilaine. Ah, je vous remonte l'étiquette. Mobilaine. J'aime beaucoup, c'était dans son coloris Twist Rabusin. Et les nuances, elles sont vraiment mais magnifiques. Oh, franchement, j'adore. Il est super beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour mon chèche en bois. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Franchement, voilà, un petit châle à un écheveau qui se fait bien, très agréable. Bon, non, enfin, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé avoir après ce qu'il donne en étant lavé, bloqué, voir s'il va être facile à porter ou pas, si j'arriverai à. Après voilà, je demande juste à faire un tour et qu'il y ait deux petits pans qui tombent, je pense que ça devrait aller. Hein. Mais non, ouais, je suis vraiment contente du résultat fini. Donc voilà pour le tricot aujourd'hui. J'ai rien de plus à vous montrer. J'ai pas avancé sur le reste. Je m'étais vraiment concentrée là-dessus. Hier soir, et je vais pouvoir avancer le reste. Alors j'ai toujours mon gilet en test pour même les anges, et j'ai mes chaussettes, et pour l'instant je compte pas finalement monter autre chose. Je vais essayer d'avancer bien dessus, de bien avancer sur mes chaussettes. J'ai un tricoté samedi, j'aimerais bien c'est avancer jusque passer le talon, et comme ça j'aurai tout le pied à tricoter pour le tricoter, ça sera chouette, et après je commencerai autre chose. J'ai été rechercher dans mon stock cette laine là. Alors il s'agit de la The Woolly Skin, c'était sa base cocoon que je m'étais servie pour mon pull Atrium, un modèle de Malorae que finalement j'ai détricoté entièrement parce qu'il était trop petit, il était devenu trop ajusté, je le portais pas. Donc ça servait à rien, la base cocoon c'est 50% mérino, 50% soie, c'est vraiment très doux, c'est vraiment une très belle laine, très belle fibre.
Ça aurait été dommage de le laisser dormir, donc j'avais tout détricoté. Et ça y est, je me suis enfin motivée. Je les ai ressortis. J'ai imprimé le patron et je vais tricoter le After Beach de Atelier Emily avec ce que j'ai là. J'en ai assez pour faire le After Beach, donc je vais me lancer là-dedans. Ça, il faudrait que je fasse l'échantillon. Alors, ça fait que je vais avoir plein... J'ai plein de petits morceaux, en fait. Parce que l'atrium, c'est un pull. Il y avait un demi devant, l'autre demi devant. Pareil pour le dos. Donc, déjà, ça a fait tous les fils qui sont coupés. J'ai eu un morceau là. Dans les dos, chaque côté, un morceau. Un morceau pour l'encolure qu'on revenait relever après. J'ai une pelote pour chaque manche. Puis après, le reste qui était dans le corps. Donc, c'est vrai que j'ai plein de petits morceaux. Là, je sais pas combien j'ai. Mais vous voyez, ça, c'était un truc que j'ai récupéré... Je l'ai pas coupé ou autre, hein. C'est comme ça que je l'ai récupéré en le détricotant de mon pull. Donc ça va être pas mal de fil à rentrer, mais au moins je vais réutiliser le fil et je pense que pour l'After Beach ça sera vraiment très très bien. Et donc il faut que je fasse l'échantillon pour voir, pour être sûre de voir voilà, quelle aiguille utiliser et tout, parce que je me souviens plus. Je l'ai tricoté il y a un petit moment mon atrium et je sais que ma tension elle a changé, je tricote moins serré qu'avant. Je me suis relâchée, je suis détendue, j'ai une tension assez, on va dire, normale. J'arrive maintenant, je suis moins embêtée dans les patrons, c'est quand même vraiment appréciable. Et donc il faut que je échantillonne ça, parce que c'est quand même pas une base que j'ai l'habitude de tricoter. C'est la seule fois que j'ai tricoté 50-50. 50% mérino, 50% soie. Donc je vais faire l'échantillon, je pense, aujourd'hui ou demain. Et puis comme ça, je pourrai lancer après, la semaine prochaine, mon After Beach. Et peut-être, idéalement, peut-être lancer... Ah, je m'étais dit aussi peut-être échantillonner ma BioBalance pour l'autre top que je voudrais faire. Comme ça, quand je vais laver celui-là, je vais laver mes deux échantillons. Ça peut être une bonne idée aussi pour économiser un petit peu d'eau, moi. Voilà, je regroupe toujours mes lavages pour essayer de faire un seul bain et laver plusieurs choses en même temps. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Alors comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai reçu un petit colis de chez Lang Yarns, parce que j'ai la chance de rejoindre leur programme Blogger Box. Et donc de temps en temps, ils m'enverront leurs nouveautés, tout ça pour que je découvre. Donc je vais vous en parler un petit peu. Alors dans ce que j'ai pu recevoir pour cette première Blogger Box, j'ai reçu de la Lang Yarns, la Jawalsik. Ces deux coloris là, un très joli corail et un gris parme, je sais pas, c'est assez particulier. Regardez dans mon retour caméra, vous avez la bonne couleur. Ça tire un peu sur le bleu, mais le parme, le gris, je sais pas trop, je peux pas trop bien vous décrire la couleur, mais vous la voyez bien. Hop, et là je vous mets, vous avez les coloris ici, non les coloris de ce côté là plutôt. Donc voilà, j'ai réussi ces deux-là qu'on peut... Alors c'est la qualité que j'avais utilisée pour mon Elton et j'avais bien l'aimé. Donc c'est y a la soie dedans mais il y a aussi du nylon, donc on peut très bien l'utiliser pour des chaussettes et ça me servira pour des contrastants. Ça sera parfait. Ensuite j'avais... Non, toujours dans les mêmes... Alors ils ont bien choisi les couleurs. J'avais celle-là, j'ai reçu cette pelote de Lisa. Donc ça c'est une qualité que je connaissais de nom. Justine elle l'a en boutique et je sais qu'elle m'en dit toujours du bien. C'est 70% viscose, 20% laine et 10% soie. C'est vraiment très doux, c'est très brillant. Et c'est un métrage sport, c'est 165 mètres pour 50 grammes. Tout ça, je serais bien curieuse de faire des échantillons pour voir, pour par exemple faire, pour faire le top baigneuse, le t-shirt After Beach, donc l'atelier midi. Là, dernièrement, le t-shirt Baya de Folie Ordinaire. Enfin bref, voilà. Je trouve que c'est vraiment un fil d'été et je pense que je vais échantillonner. Comme ça me permettra de savoir un peu et pourquoi pas faire à l'avenir un t-shirt avec cette base-là. Un fil que je connaissais pas du tout de chez eux, c'est Cashmere Premium, 100% Cashmere. Très joli violet. Il y a 115 mètres pour 25 grammes. 230 mètres. Ouais, donc c'est à peu près une épaisseur fingering. C'est assez fin. Bah c'est moins doux, je trouve personnellement. On pourrait s'attendre à 100% cachemire que ça soit extrêmement doux. Donc c'est hyper noble, hein. Je pense qu'elle doit coûter vraiment cher cette pelote-là. Mais franchement, ça c'est plus doux.
C'est plus doux que la cachemire. Mais c'est intéressant de la découvrir. C'est doux, hein, il n'y a pas à dire. Mais lui, il est encore plus doux. Puis plus brillant. Hein. Je pense que vous le voyez bien. C'est vraiment pas pareil. La langue a aussi la marque en fait Wooladic. J'ai jamais tricoté cette marque-là. Je ne sais même pas où est-ce que je peux en trouver facilement près de chez moi. C'est d'une douceur, ça. C'est un fil assez épais, mais rigolo. Hein, c'est un peu comme s'il était tricoté ou tressé, vous voyez. C'est assez rigolo comme fil. Et là, il y a 100 mètres pour 50 grammes. Et ça aussi, j'aimerais bien échantillonner, voir un peu. Parce que ben, pour des pulls, des gros pulls d'hiver, ça pourrait être pas mal comme laine. C'est brillant, c'est doux, c'est tout moelleux. Et la composition, 88% laine vierge et 12% nylon. C'est vraiment, ça a du gonflant. Et enfin, j'ai reçu un écheveau d'alpaga soc qui a été teint à la main. J'aime beaucoup les couleurs très estivales. Et lui, je pense que j'aimerais bien, je vais voir Justine demain, peut-être le prendre pour lui trouver un contrastant et faire pourquoi pas un châle avec une couleur avec cet écheveau-là et puis un autre uni mais qui reprenne l'une des couleurs, peut-être le violet parce que je n'ai pas beaucoup de châles violets. Ou alors peut-être un blanc oui cru pour vraiment mettre en valeur celui-là. À voir, mais ouais, j'aime beaucoup. C'est tout mou parce que c'est beaucoup d'alpaga. Il y a 390 mètres pour 100 grammes. C'est 70% alpaga et 30% nylon. Alors, je pourrais très bien l'utiliser pour des chaussettes. Hein, il n'y a pas à dire. Mais je sais pas trop ce que ça donnerait le rendu des en chaussettes. Mais je me dis qu'en châle, ça peut être sympa aussi. Ouais, je vais réfléchir. Soit je me dis, je me fais un châle et je vais trouver chez Justine quelque chose qui va avec. Parce que par exemple, vous voyez, je trouve que ça. Au niveau des couleurs, les lumières, voilà. Je trouve que ça va quand même pas trop mal avec. Hein. À voir. À voir, à voir. Et la dernière pelote qu'il m'a envoyée, et j'aime énormément, c'est celle-ci. C'est Mille Color Sock and Lace Luxe. 73% laine vierge, 25% nylon et 2% de polyester. Le polyester, c'est le côté paillette. Vous pouvez voir. Et ça forme un très joli dégradé. C'est vraiment super beau, j'aime énormément. Et ça, bah, je le vois bien dans un pull en jacquard. Justement, un pull où il faut un écheveau de contrastant et puis le faire passer dans le jacquard qui apporterait des nuances et tout, ça serait vraiment sympa. Alors après, à voir, parce que là, on voit bien qu'il y a une sorte de rayure. Il y a une rayure, une couleur qui a l'air toujours permanente. Ça fait des rayures, on dirait. Alors, je sais pas si c'est le rendu, si on la tricote en chaussette. Et je me dis, bah, sur un pull, il y a beaucoup plus de mailles, ça rentrerait pas pareil. Mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant à voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ou alors, sinon, bah, le tricoter, alors, soit des chaussettes ou dans un châle à un écheveau, et il y aurait pas mal de nuances. Mais très joli. Et là, c'est un fil non retordu. Un fil single mèche. Donc voilà pour ce que j'ai reçu de la part de Langien. Et franchement, bah, sur le coup, ouais, ça a fusionné. Quand j'ai vu les laines, parce que forcément, en fait, je ne savais pas ce que j'allais recevoir, j'avais rien demandé de spécifique. Mais voilà, il y avait quand même des choses où tout de suite, ben, les petits jawas, je me suis dit, ah bah ça pour des chaussettes, c'est parfait. Les chevaux, la pelote là, dans un jacquard, franchement, c'est idéal. Les chevaux, je me suis dit, ah pourquoi pas dans un châle. Voilà, et puis il n'y a que ces petites pelotes là où vraiment. Je vais pas trop savoir quoi en faire, mais en tout cas pour échantillonner et tout, ben pour de futurs projets, pour découvrir avant, ben c'est chouette. Donc voilà, ça c'était pour la petite réception du jour. Donc je vais vous reparler un peu de mes tricots. J'ai terminé quelque chose. J'ai terminé la fin de mon hexagone de reste. Alors, je vous en avais parlé, je voulais au début refaire une couverture de raie, j'en ai fait une grande au crochet, et j'aimais beaucoup celle-là, parce que j'aime beaucoup ces petits triangles qui s'assemblent et tout, j'aime beaucoup le rendu visuel, sauf que je me suis rendu compte que franchement, j'aime pas le tricoter. Ça me procure pas du plaisir. La fois que je vous l'ai montré, j'avais fini ce triangle-là, donc j'ai fait celui-là, le blanc, celui-ci, le rose et le rose là. Ça c'est mon Mademoiselle Kate, ça c'était la Wool Pax il me semble. Ça doit être un reste de mon châle. Ah je sais plus c'était quoi, le châle mystère de Sauce Unitz. Je sais plus non plus son... Je sais plus du tout son nom. Ici,
Ça doit être de la Woolbags, le coloris Crayola. J'avais fait des chaussettes. Là, c'est du blanc. Je crois l'avoir déjà utilisé, le blanc, non? Oui, ici, quasiment à l'opposé. C'est un reste de tricot stitch pour les gnomes. Ici, c'est le reste de mon clap hands de By Night. C'est la By Night. Et là, le gris, je sais plus. Enfin, voilà. Donc, je vous l'avais fait part, hein, déjà, que la tricoter, c'est pas mon... C'est pas ce que je préfère faire finalement. Je vous avais dit, moi, je vais faire juste une petite couverture pour ma chaise de bureau où je suis actuellement. Et l'une d'entre vous a eu une super idée et m'a dit, mais pourquoi t'en ferais pas une housse de coussin? Mais que c'est merveilleux cette idée-là. J'ai un coussin que je n'utilise plus, qui traînait dans un coin de notre chambre parce que c'est plus dans le style de la maison. Et je me dis, je me suis dit, hop, j'ai été le rechercher et je me suis dit, oh, il a la taille parfaite pour. Ben, mon hexagone a la taille parfaite pour ce coussin. Donc, ce que je vais faire, eh ben, je vais faire une housse pour mon coussin. Alors, au début, je me suis dit, oh, il va falloir trouver un tissu derrière. La couture, c'est pas ce que je préfère faire. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même me motiver, c'est à faire un deuxième hexagone et je viendrai le coudre et puis il y aura mon coussin au milieu. Donc, voilà, ça, c'est une face de mon futur coussin. Et ça sera trop beau. Maintenant, j'ai plus qu'à faire l'autre côté. Alors là, c'est que d'un coup, je me suis dit, ah, mais j'aurais pu faire un côté tout rose et faire un côté tout dans les tons caramel pour faire une version un peu été et une version un peu automne. Bon, bah, trop tard parce que là, j'ai fait un peu mode patchwork. Bah, l'autre côté, il sera aussi un mode patchwork un peu comme ça aussi. Voilà, bon, on va pas tout modifier maintenant, tant pis, hein, j'avais pas eu l'idée avant, mais merci à Josie, si je me trompe pas, c'était Josie, qui a une super idée et je vais le faire. Donc maintenant, je suis un peu plus motivée à reprendre ça, donc j'ai pas énormément de triangles à faire au final, là, j'en ai un. Ça me fait faire 24 triangles pour finir, ben, pour faire un deuxième panneau et ensuite je viendrai le coudre. Alors, je viendrai les coudes parce que je me suis dit au début, est-ce que j'essaye de. Parce qu'en fait, on vient toujours relever les mailles. Alors, quand j'arrive. Est-ce que j'essaye de relever les mailles avec ceux-là en même temps? Ça m'a paru un peu compliqué. Je verrai peut-être une fois que j'en aurai commencé. Déjà, de toute façon, je vais commencer par le centre. Après, je vais faire un triangle. Quand je vais commencer là, je vais avoir un triangle comme ça. Donc, le suivant, je verrai si je commence à le reprendre de là. Et puis. Donc de là sur une nouvelle face et venir le raccrocher peut-être ici directement. À voir, je verrai bien si je fais ça. Sinon je viendrai le coudre après. S'il reste plus qu'une couture, ça va aller. Ce sera pas la mort. Mais je suis trop contente parce que bah finalement ça sera vraiment utile, ça sera joli et ça m'évite de continuer à faire ça pendant X temps. Donc voilà, ça c'était. Je suis contente. J'ai fini une face et je viendrai ben, vous montrer l'autre face quand elle sera commencée. Je sais pas non plus. Alors je suis contente, j'ai une idée, c'est pas pour autant que je suis. Ça m'a redonné un peu de motivation, mais c'est pas pour autant que je vais tout donner d'un coup, tout faire d'un coup. Ça prendra un certain temps quand même, mais je suis contente, ça va être utile et c'était une super idée. Et en plus, je vais réutiliser un coussin que j'utilisais plus. C'est merveilleux. Enfin voilà, donc ça c'était pour la couverture de reste. Donc un modèle payant, c'est la Triangulum, je sais plus trop quoi. Après, je vous mets tous les liens en dessous, mais c'est un modèle payant en anglais. Parce que je les avais sorties, elles sont plus dans le colis. J'avais reçu aussi cette paire d'aiguilles. Alors, je les en avais déjà vues chez Lysandre. Il me semble qu'elles tricotent avec. C'est les unicorns. Et elles sont striées en fait en forme de spirale. Hein. Donc, c'est un peu l'idée de la corne de licorne. Donc, là, il m'avait envoyé un 3,5 avec un câble de 100 cm. Et j'ai voulu les tester tout de suite et j'ai fait mes échantillons. Je vous avais dit que je voulais faire des échantillons. Alors au début c'est un peu perturbant parce que c'est pas le même poids que mes aiguilles habituelles et tout, mais après bon je me suis. Ça se prend bien en main, c'était chouette. C'est assez arrondi la pointe, mais non, c'était sympa. Voilà. Et puis elles sont trop jolies avec un câble rose. Donc j'ai fait un échantillon pour le After Beach de Atelier Emily. Donc je vous avais dit ce que je vais tricoter dans la base cocoon de The Whiskin. Donc voilà, j'ai fait mon échantillon. Au premier abord, il a l'air bien, mais je vais le laver, le mettre à plat pour être sûre que ça bouge pas. Bon, voilà, pour voir. Comme je vous avais dit, comme je vais laver mon châle, mon petit châle chèche en bois, j'en profiterai pour laver mes échantillons en même temps. Et le deuxième. Ah, c'est une toute petite photo. Le deuxième top que je vais faire, c'est celui-ci.
un joli, une jolie dentelle de feuilles sur le yoke. Et lui, ça va être en BC dans la biobalance de Bességarn, et j'ai fait mon échantillon, qui aussi m'a l'air est bon avant lavage. Donc voilà, j'ai fait mes deux petits échantillons. Et ça sera les futurs projets. Il y en a un des deux que je pense bien commencer la semaine prochaine. Mais voilà, je vais les laver ce week-end et puis voilà, commencer ça certainement un des deux la semaine prochaine. Je vous avais dit également pour ma chaussette, afin d'avoir un tricot compatible au tricoté demain, c'était d'avancer jusqu'au talon et ses chaussettes. Alors voici le rendu de la chaussette. J'adore énormément les couleurs. J'aime beaucoup. Donc là, la bien-aimée, Arco Iris Yarn, laine de mout. Donc j'ai fait les trois bandes de couleurs, j'ai fait trois rangs de jersey endroit en blanc entre chaque rayure, et j'ai fait un talon à gousset renforcé. Il me semble que, je sais plus si c'est ce qu'il préconisait ou pas dans le patron. Mais bon, c'est ce que j'ai fait, voilà, moi je l'ai fait de tête, de mémoire, c'est vrai que je sais plus du tout si c'est ce qu'il faut dans le patron. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, je suis prête pour le reste de la chaussette, ensuite pour le tricoter de demain, ça sera parfait. J'aurai que le pied à faire, il faudra quand même que je mesure parce que j'ai pas encore fait des chaussettes pour moi, donc je sais pas combien de rangs il me faut exactement, je vais mesurer au fur et à mesure, mais au moins la chaussette est prête. Et enfin, le dernier encours que je vous remontre, mais qui n'a pas énormément avancé depuis mercredi que je vous l'ai montré, c'est mon châle, mon gilet givre. Que je teste pour même les anges tricotes. Bah voilà, j'ai fait que ça depuis que je vous l'ai montré. C'est pas énorme, hein. On peut pas faire des échantillons et des chaussettes et faire ça en même temps. Donc voilà, je poursuis tranquillement. Lui sera vraiment mon encours principal la semaine prochaine. Donc comme ça, je pense que, oui, en fait cette semaine j'ai pas du tout fini le corps, je suis loin de l'avoir fini, mais là, pour la semaine prochaine, je pense que ça sera le cas et ça sera bon. Voilà pour aujourd'hui, on a refait le tour de mes petits encours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci en tout cas d'être toujours fidèles au rendez-vous, d'être toujours un peu plus nombreux à me rejoindre par ici, ça me touche énormément. Un grand merci à vous pour vos messages, à tous ceux aussi qui me soutiennent sur la page Ko-fi. Ça me touche extrêmement à chaque fois. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye !